Rien ne l'arrête. 15 ans déjà que Frédéric Ochédé, alias Dorothée, mène une carrière bien remplie. Idole des enfants à la télévision, elle leur consacre aussi des spectacles comme celui-ci au Zénith. Toutes ses activités lui permettent de séduire les petits et les grands. Il y a des enfants qui me suivent depuis quelques années. Il y a des parents qui écrivent à la place des enfants, des grands-parents qui écrivent aussi. Et qui me demandent très souvent d'être leur petite fille. Le but de ce que je fais, et en télévision et sur scène, c'est de toucher la famille. Moi j'aime bien quand je vois les parents en train de taper des mains, chanter, danser, et le fait de savoir que les parents regardent les émissions avec leurs enfants. Assister à un concert de Dorothée, ça ne veut surtout pas dire rester assis 2 heures sur une chaise. Si les émissions télévisées réclament de la discipline, ici, on s'amuse comme dans une boum. Mais Dorothée sera-t-elle toujours la grande copine des enfants ? Moi je ne sais pas, ce sont mes amis qui eux vont décider. Quand ils en auront marre de me voir, je crois qu'ils me le diront. Et là, il faudra penser à autre chose. Mais pour l'instant, j'y pense pas, mais je sais que ça peut arriver. Mais sinon, ça, mettons, vers les 80 ans, je pourrais être retournée au cinéma. On n'en est pas encore là. Avec 10 musiciens, 2 choristes et 8 danseurs, Dorothée attend 150 000 spectateurs au Zénith.